Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. On se retrouve ce soir pour une nouvelle soirée GTA. Je cutterai les épisodes directement via pause à l'enregistrement. Enfin bref. Bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle soirée GTA. Tell the villain like I'm trapped in my damn mind. Tell the villain like I'm rapping a damn lie. Tell the villain like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Allô? Oui, tout va bien? Si je vais bien. Allô, mon frère. C'est moi, hermano. Il faut agir maintenant, il vient d'où m'appeler? Ok, je vais à mon appartement, j'arrive. Tu le donnes rendez-vous quelque part? Non, il vient de m'appeler en me demandant si ça. Je lui ai dit ça va, il m'a dit. Comment ça, ça va? Il m'a parlé mal, tu vois, il faut agir vite. Qu'est-ce qu'il t'a dit là? Je comprends pas. Je l'ai appelé, je lui ai dit. Salut, ça va? Il m'a dit, comment ça va? Tu vois, genre, il. Ça, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, non, je comprends pas, Franck, exprime-toi, je comprends rien là. Il m'a dit comment ça va de façon méchante, tu vois. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je sais pas où est-ce qu'il est, mais il est en ville. Il faut le trouver vite, il faut agir vite, tu vois. Dis-lui que tu veux éclaircir certaines choses avec lui. Bah, ça passera pas, il voudra pas du tout. Il sait que c'est un traquenard. Il le sait très bien. Vous, comment il m'a répondu? Il le sait très bien. Ah, ok, je comprends. Je lui ai raccroché juste après qu'il me dit comment ça va. Je lui ai raccroché parce que bah, ça sert à rien de piloguer, tu vois. Mais il faut le trouver et il faut agir vite, tu vois. Ok, hermano. Après, si je l'appelle et que je lui dis que je sais qu'il m'a baisé le gueule, ça va pas passer, tu vois. Tu vois ce que ah, je veux dire? Si, je comprends. Donc là, il faut agir vite, tu vois. Là, je sors du parking, je passe à le pompe essence et je viens vite à ton appartement, ok? Ok. J'arrive, à tout de suite. Ouais, les gars, j'ai fait un peu de la merde un peu plus tôt. En fait, on devait le choper, j'ai fait un peu de la merde. Enfin, bref. C'est pas. J'ai fait de la merde, clairement. Voilà, on va aller mettre un peu d'essence. Attendez, je vais baisser un petit peu le volume. Attendez, je vais faire ça manuel. Voilà. Ça devrait être un peu moins fort pour vous, je pense. Pas passer là-bas. Allô? Si, Herman. Dis-moi, tout à l'heure quand je l'ai croisé, tout ça que je t'ai appelé, que je t'avais dit, je l'ai croisé à la station essence, tu vois. Il m'a dit exactement mot pour mot, il m'a dit, il y a que les montagnes qui se croisent pas. Est-ce que tu crois que je devrais lui envoyer un SMS en lui... Allô?
Si, Herman, désolé, je me fais une fausse manip. Je crois que ta vie est en danger, Herman. Non, ma vie n'est pas en danger. Par contre, la sienne, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout à l'heure, comme je t'ai dit, quand je. Écoute-moi. C'est lui qui t'a dit il y a que les montagnes. Oui, mais. Oui, non, mais le truc, c'est que quand il m'a dit ça, il m'a pas dit ça tout à l'heure au téléphone. Il m'a dit quand je l'ai croisé à la station service. Ça veut dire que j'avais pas encore fait le boulette. Et c'était encore de rien, tu vois? Est-ce que pourquoi t'as dit ça? Parce qu'on s'est croisé complètement par hasard, tu vois. Ah, okay. Et du coup, est-ce que tu crois que je devrais lui envoyer un SMS en lui disant juste j'ai qu'une chose à dire, c'est attention, il y a que les montagnes qui se croisent pas. Non, Herman, non, ça sert à rien. Ok, ça sert à rien, ok, Herman, tout va bien. Je préfère demander avant de faire une bêtise, tu vois. Je crois là, il faut faire le test. Je sais pas comment faire là, franchement. Il est en ville, ça veut dire qu'il faut le trouver juste, tu vois. Mais le problème, il a changé la coupe de cheveux, Herman, tu l'as dit toi-même, tu vois. Oui, il a changé la coupe de cheveux, mais il a qu'une seule voix, tu vois. Si, si, j'espère qu'il va pas mettre le masque s'il va au point de tout ce quoi. Ah, ça va être plus compliqué, oui. Ah. Mais je suis sûr qu'on va lui tomber dessous, tu vois. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a une bonne étoile, tu vois. Ah, je sais pas, il faut aller traîner dans la zone là de tu sais où, hein. C'est là qu'il va aller quand il va faire une nuit. Écoute, j'en sors, tu vois, il y avait, pour le moment, il y avait rien, donc je sais pas. La meilleure des choses, c'est que tu te postes là, tu vois, il faut que tu te postes là et que tu regardes si tu le vois. Le problème, c'est qu'il connaît mon voiture. Ah, si, si, hein, c'est la merde. Et je vais aller au Macano et je vais changer la couleur. Ouais, si tu veux, Herman, si tu veux. Je vais aller changer la couleur de la voiture et je pense que ça peut être utile, tu vois. Ah, ok, Herman. Est-ce qu'on se retrouve? Oui, je sais, je sais. Épilogue pas, je sais. Tu crois qu'on devrait se retrouver là-bas? Si, Herman. Je vais au mécano. Je vais au mécano. Viens, on se retrouve au mécano. Ah, ok. À tout de suite. Attends, tu as de nouvelles de John? Je vais l'appeler. Il était en train de m'appeler pendant que je parle. Ouais, vas-y, appelle-le. Dis-lui qu'est-ce que je viens de te dire, qu'il était en ville. Hein? Ah, ok. Allez les gars, on va aller au mécano, frat custom, bam. On va aller changer la couleur du véhicule. Je vais pas passer par le quartier, je vais contourner. J'étais venu pour changer 2-3 trucs et en fait je crois qu'il est passé sur les bandes. Bonsoir monsieur. En fait il m'a pas mis de bandes mais quand je l'ai ressorti il y avait la bande. Ah putain. La bande rouge. Voilà. Ça t'empêche avant de passer parce que du coup ouais, si vous voulez ça. Rien du tout faut que je vous mette en fourrière en fait. Ouais je sais. Mais allez-y c'est pas grave. Ouais. Sinon on peut mettre les bandes parce que ça peut pas prendre les bandes. Bonsoir monsieur. Oui. Vous allez bien? Oui. Je vous dérange, je suis désolé. Non, ok. On va laisser le policier sur le verre. Bonsoir monsieur. Tu peux le livrer la prochaine fois? Ouais, bah c'est bon, c'est pas grave. Ouais, j'ai. Tu peux te garer là-bas, genre on est prioritaire, du coup, bah tu sais. Vu que on fait pas de custom, tout ce qu'il y a, c'est un petit coup de polish, une petite répa et un petit plein, ça va, c'est rapide. Bien le bonsoir, messieurs. Mais bonsoir. Comment vous allez bien? Ça va très bien. Ça va et vous? Ça va. Oh là là. Vous avez un beau coupe, monsieur l'agent. Belle coche. Oui, c'est une bonne voiture, ça aussi.
Vous avez arrêté beaucoup de criminels? Non, pas encore. Bon, et ça nous serait tardé. Exactement. Vous m'avez l'air d'être des bons agents de la loi. On fait au mieux, en tout cas. C'est bien d'avoir des policiers qui sont compétents dans la ville, hein. Ça nous sécurise. Oui, hein. Moi, je sais que vous êtes pas que deux. Vous êtes tout en commissariat, je crois, non? Bonjour. Je crois qu'ils sont 5 ou 6. Ah bah, c'est une équipe d'élite, alors. C'est possible de... Une préparation, mais de l'essence. Ouais, ça roule. Attends, je vais taper votre plaque sur Oscaro. Peut-être qu'ils vont me dire il y a combien de chevaux. Oscaro. FH 265 DY 130 chevaux. Ah oui, j'espère pousse. Que vous allez bien, les gars. Enfin, j'espère que ça enregistre surtout. Attendez, je vais. Ah oui, oui, oui. Hein, la police nationale, ils ont des. Des grosses voitures. Attendez, les gars, j'ai un problème vite fait. Pourquoi j'ai pas le rendu là? Voilà, tout beau, tout propre, tout rempli. Merci pas, bon, beaucoup. Pas grave. Attendez tout le monde. Attendez tout le monde. Je fais quelque chose vite fait, je vous retrouve juste après. Hein, bougez pas. Ouais, hein. Surtout, vous bougez pas. Vous pouvez déposer monsieur au parking Pôle emploi ou pas? Ouais, ça peut se faire. Ouais, ça serait sympathique de votre part. Eh, bah, je vous remercie bien. Si je suis tout seul là, c'est un peu galère pour moi là. Pas de problème. Eh, merci. C'est même si, senior. Senior. Oui. C'est là. C'est au seigneur là-bas, je crois. Non, c'est un monsieur avec la sultane. Monsieur, vous avez... Bonjour, mon cher ami. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Eh ben, très bien, vous? Ça va, ça va. Vous avez un beau barbe. Oh, ah, merci, merci. Et vous avez un beau chapeau aussi. Merci, c'est très gentil. Ça va, monsieur Luke? Je crois aussi, oui. Et vous? Ça va, vous rappelez de moi? Non, monsieur, vous ne me dites rien, pourquoi? Mais non, on était à votre soirée, moi et mon ami. Attendez, les gars, bougez non, pas, mais, je suis obligé de stopper. Je confonds avec le patron du Galaxy Club. Je reviens, ah, les gars, je check, vraiment, faut non, que je check. Je suis pas monsieur Lou. Dis donc, c'est lequel votre véhicule, vous, monsieur? Oui, c'était un bah, bon blague, hein. C'est la Oracle là-bas. C'est bon, les gars, bien. Tout va bien. Ça bug un peu de mon côté parce que j'ai pas le retour, mais ça va. C'est celle-là, hermano. Oh là là. Moi, je viens d'arriver hier. Ah, d'accord, d'accord. Bah, franchement, c'est bien que vous puissiez déjà vous payer ça. Oui, j'ai travaillé avec les bus. Le bus. Ah, c'est bien, c'est bien. Le bus, ça rapporte bien. Vous êtes tout nouveau? Ça va. Oui, 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 je viens d'arriver en ville. D'accord. Si c'est vous croisez. Vous cool. C'est... Le mien? C'est le voiture qui est juste là, celle-là. Oh, mais celle-là, elle coûte pas cher au bénéfacteur. Au... Vous croyez? Oui, je l'ai vu à 31 000. Ouais, ah non, vous vous trompez. C'est pas 31 000, non, non. Elle vaut combien celle-là, monsieur? Je l'ai payé 45 500 euros. Oui, oh, mais à l'autocase, c'est l'occasion. Donc l'occasion, moi, c'est toujours moins cher. Bah, c'est là-bas que je l'ai acheté. Hein. C'est le concours de qui a acheté le véhicule le plus cher, c'est ça? Bah, non, je crois que c'est celui qui est la plus grosse, oui. Moi, parce que le mien, je l'ai acheté 160 000 en tout. Ah, mais moi je m'en fous du prix, moi je suis un chauffeur. Je suis un chauffeur. Écoutez, donc. Moi je vais vous dire, le prix ça n'importe pas, ce qui compte c'est que le véhicule vous apporte. Le véhicule, et puis c'est surtout. Je suis attaché à mon petit Dubsta, il est très bien. Je vais vous avouer que ce qui compte aussi, c'est ce qu'il y a derrière le volant, vous voyez? Exactement, exactement. Ce qui compte aussi, c'est ce qu'il y a entre les jambes. Important. Monsieur, ça devient limite. Oui, c'est un petit peu borderline quand même, mais faut se calmer. Ouais. Kamano, je vois qu'on a affaire à des. De line de coke, je pense. Ah. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Ouh là là, oui, je monsieur, comprends pas. Monsieur, vous êtes entouré de 3 personnes en costard là, on est très sérieux ici, on n'est pas là pour rigoler. Hein. Je suis d'accord avec le monsieur avec le joli barbe. Hein. Bah, vous vous déguisez en monsieur Luke et vous me parlez merci de monsieur Nicolas. Complimenter ma barbe, ça me fait toujours plaisir. Bah, elle est toute belle, hein. Je vois, elle est bien brossée aussi. Hein. Ah, vous savez, c'est un petit peu d'huile de ricin et puis le tour est joué. Hein. Ah, bah, l'huile de ricin et de la patience. Moi, vous voyez, je suis. Mmh. Je l'entretiens. Faroui. Mmh. Charoui, c'est à moi. Après c'est Haroui, après c'est Haroui. Je viens changer pardon. Le reflet, les couleurs de reflet. Sur celle-là, c'est ça? Oui. Vous avez payé combien ce... Moi ouais, celui-là, monsieur, j'ai payé 61 000. Mais non. Si, monsieur. Pourquoi il est si moche? En tout cas, c'est gentil de passer un coup de polish, hein, monsieur. Ouais, pas de problème. Bah, pour changer de couleur, c'est mieux quand même. Ouais, c'est mieux de voir bien, oui.
surtout pour que la peinture tienne. Oui, je suis d'accord. Sur de la poussière et ça tient pas. Oui, je suis d'accord. Vous vous êtes garé au milieu, monsieur. Ok, mais y'a personne qui peut me prendre en charge là? Bah, si, mais il est déjà occupé le monsieur. Ok, ok, bah, pas de soucis, je suis garé là. Oui, je suis d'accord qu'il y en a qui croient tout permis. Hein. Dites-moi. Ceux-là, j'ai envie de les ignorer. Des fois. Vous auriez quelque chose de bleuté? Un bleu un peu comme ma veste, vous auriez ça? Vous avez la veste en bleu là? Ma veste dessous, mon chemise, pardon. J'ai mon chemise un petit peu bleu. Okay, ouais. Ah, c'est bleu marine très 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 foncé ça. Oui, oui. Celui-là, il est joli. Celui-là, il est parfait. Attendons, on va regarder s'il y en a pas un autre. Bon, lui, il est vraiment très il est très très foncé. Je veux le voir quand même un petit peu. Lui. Celui-là, il est joli. Celui-là, il est magnifique. Celui-là ? Oui, celui-là, ça vous plaît ? Ça me va très bien, monsieur. Ah, bah, ça vous va très bien, ça me va très bien également. C'est parfait. Vous ça sera toi alors ? Oui, bien sûr. Un petit sans contact et on est parfait. Ça fait 700 euros. Eh ben, allez-y, facturez. Moi, parfait. Voilà. Je vous remercie. Je vous la remets devant. Merci. Voilà les gars, on a changé la couleur parce que l'autre il connaît la couleur de la voiture. Je vais mettre dans la bagnole, je vais appeler le frangin. C'est à moi. Bonne soirée monsieur, au revoir. Merci, au revoir. Bon tour, seigneur. Là c'est une vraie voiture à Franck ça. Oh, je vois un bon pilote hein. Vous faites du drift, monsieur. Allez, on va appeler le frangin. Let's go, les gars. Allô. Ah, ok, on va le chercher. Allô, hermano. Tu es où? Je suis à mon bel appartement, là. Ton appartement... Tu me laisses 5 secondes, j'arrive. Pas de problème, j'arrive. Allez, on va se bouger le cul. Let's go, le beau appartement là-haut. Guys. Salut John. Ça va ou quoi? Bah écoute, ça va, tu vois, je viens d'aller changer la couleur de la voiture parce que l'autre il le connaît. D'ailleurs, il t'a dit mon frère? Non, non, il m'a pas dit, je vais succéder mon frère, je vois bien. Oui, vas-y, vas-y. Monte mon frère. Garde-toi là-bas, je vais à l'appartement. Oui, vas-y. Allez les gars, let's go. Tu lui as pas dit? Parce que là il a autre chose dans la tête, Armand, il doit aller. Si, je lui ai dit, je lui ai dit. Bah, je sais pas, je lui ai demandé si tu lui avais dit, il m'a dit non, ton frère il m'a pas dit. Il a pas compris de quoi tu parlais, Armand. Ah. Ah, ça c'est un problème. Oui, c'est pas grave. Est-ce que toi, vous, la couleur? Je l'ai assorti à mon chemise, tu vois.
Contre-voir ta chemise. Ah si si c'est vrai. Un c'est petit vrai. Bleu joli, tu vois. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Bah c'est sobre, c'est discret, c'est tout comme il faut, tu vois. Bah dis-moi, tu dois pouvoir jouer aux jeux vidéo là derrière. 12 écrans. Ici, je suis bien, Armand, je suis full équipé ici. Hein. Bah je vois ça, oui. Je vais déposer un peu d'argent ici. Tu me permets de fouiller dans ton coffre? Non, je... Là, tu vois, je... Oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Mais on sait jamais ce qu'on fait. En fait, je t'avais dit que j'avais gonflé un petit peu le moteur de mon voiture. Hein. Et mon frère, je te l'avais dit ou pas? Non, tu m'as pas dit ça. Bah, j'ai soit passé au frat mécanique un petit peu plus tôt dans la journée, j'ai été gonflé le moteur. Je l'ai pas beaucoup gonflé, juste un petit peu, tu vois, histoire que ça accélère quand j'appuie sur le pédale, tu vois. Ok, c'est bien, tu as bien fait, man. Tu as bien fait. Bah, ça m'a coûté 10 000 la connerie quand même. Alors, il roule mieux maintenant. Bah, ça accélère mieux, oui. J'ai touché que le moteur, j'ai pas touché les freins, j'ai touché que le moteur, tu vois. Histoire que quand j'appuie sur le pédale, ça va un peu plus vite, tu vois. Oulala, là là, je change deux pièces moi. Problème. Bah, je comprends, mais tu sais que j'aime pas ça. Hein. Je préfère sortir de la pièce. Hein. J'aime pas trop ça, les armes. Hein. Tu peux te changer ici? Herman, je peux me changer ici. Et moi, je peux? Oui, moi aussi, je peux. Il y a des choses à faire là maintenant? Ah, peut-être je vais devoir aller vérifier quelque chose au point, tu sais où. Oui, oui, bah oui, bien sûr. Tout fait bien de faire attention à ce que tu dis. Hein. Tout fait très très bien. On sait jamais s'il y a des yeux qui nous regardent, tu vois. C'est sûr, man, faut être prudent, tu vois. Bah, qui va nous regarder. Bah, c'est pour ça que je dis ça, tu vois. C'est une belle vue, hein. Moi, c'est quand même une vitre blindée. Ah si, parce que tu vois, là-bas, il peut y avoir sniper partout, là. Alors, je demandais, il me fait la vitre blindée, tu vois. Je veux pas prendre une balle dans la tête pendant que je regarde la télé, tu comprends? Oui, tu crois que je devrais l'appeler ou je vais le laisser mariner, l'autre espèce de truc, là? Attends, je reçois appel. Oui, vas-y, décroche. Ça doit être John. Pourtant. Johnny. Oui, c'est pour Johnny. Ton, c'est pour ton bien, retour. Je suis appartement. Non, je vous attends appartement. Je vais vous faire rentrer, venez devant la porte, tu appelles quand tu es devant la porte. Bah attends, je vais le faire rentrer, reste là. Ouais, après on va aller là-bas vérifier quelque chose, ok? Dis-moi mon frère, dès l'heure de faire un appel radio quand ils sont en bas, je les ferai rentrer moi. Ok, attends, on va, je veux pas qu'il rentre Antonio comme ça. Oui, si bah oui. Pas... Je vais l'accueillir comme un patron que je suis. Hein. Bah oui. D'ailleurs, tu feras attention, je crois, toi, deux doigts sur ton casquette. Hein. Enlève ton masque. Et enlève ton bob aussi. Attends, Roman. J'ai croisé quelqu'un au custom là, il avait un joli barbe, hein, tout brossé, tout joli. Et il avait un gros véhicule. Ah ouais? Ouais, il avait un très très gros 4x4, tu sais, c'est les trucs de l'Amérique, tu vois. Le très très gros 4x4, tu sais. Je vois pas lequel, Herman. C'est plus gros, c'est plus haut que le Ford, tu vois. Plus haut que tes Raptors. Ah, mais Raptor, c'est pas gros, c'est rapide en fait. Oui, mais oui, mais lui, mais oui, mais. Grande capacité de chargement. Oui, bah je pense que l'océan il doit avoir une grande capacité de chargement aussi, hein, vu la taille qu'il avait. Et il peut pas avoir plus que le Raptor, c'est le maximum, tu comprends? Bah oui, il doit avoir au moins autant alors. Le maximum, le Raptor, ce qui est bien, c'est qu'il est compact et en même temps tu peux stocker beaucoup de choses dedans, tu vois? Oui, oui. Moi j'ai pas regardé combien de places j'avais dans mon coffre, mais je suis pas sûr que ce soit grand. Hein. Du coup, j'ai été regardé par rapport à la poule. Non, non, t'inquiète pas. Je regarde s'il est chargé. Tu veux pas le ranger, s'il te plaît? Attends, Armand, je regarde si c'est si chargé parce que. Je peux pas prendre la vue, il n'y a pas de balle.
Bah, il sort pas avec. Toi, est fou. Ah, toi, tant que John il arrive. Il y a ta voiture, il y a ta voiture, Bobby. Mon frère, va ranger ton voiture. Je peux sortir. Bah oui, mais c'est toi qu'il faut ranger le voiture. Oh, Bobby. Hola, hermano. Attends, je vais rentrer la voiture. Vas-y. Benga. Moi, je suis libérable, les gars. Viens, on va s'asseoir sur le canapé le temps qu'il range le voiture. Ah, bah, ils nous mettent tous dehors. Oh, attends. Bonsoir, mademoiselle. Monte, Bobby, on va la ranger. Vous allez bien? Ça va, oui. Ça va, ça va. Vous êtes charmante, hein? Vous avez un beau coupeau de cheveux. Oh, dites-moi, c'est la première fois que je vois des chaussures qui brillent comme ça dans le noir. Vous avez acheté ça où? Je trouvais ça joli, moi. Au magasin. Ah, j'irai faire un tour, peut-être que je trouverai qu'est-ce qu'il faut, parce que je trouvais ça joli, ça vous va bien. Je vous souhaite une bonne soirée, j'arrête de vous embêter. Je crois que votre ami, il est là. Ouais, je l'ai accompagné. C'est Louis, non? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je te demande, je te fous. Non, tout va bien, non, tout va bien. C'est notre faute, c'est notre faute, monsieur. Franchement, il est, faut pas lui en vouloir. Nous, on a, c'est ma faute. Monsieur, vous êtes pas le gardien des prisons? Ex-gardien de prison, je vais être plus précis. Comment? Bah, mon frère, je vais chercher le voiture et on va aller boire un verre. Pas bon, Miguel. Bon, bah, bonne soirée à vous, monsieur. Vous inquiétez pas, la femme, elle a bien un petit café. Ah bah je crois que les mours à l'ultraviolet ça va être pas ça pas beau hein. Elles t'ont donné de l'opium en prison quoi. Attendez une question rapide, qu'est-ce que s'il vous plaît je peux avoir 5 minutes hein? Qu'est-ce que tu sors ton BMW, tu vas avec John et je prends Antonio ou comment ça se passe? On prend la Merco, on y va tous ensemble. Bobby, ouais. Par contre, faut que vous changez. Allez-y, vous changez, vous avez oublié. Attends, pour aller boire le verre, je vais comme ça. Après bah oui, c'est bon, on a pas soin, Bobby, c'est pas grave. Ok, bon. Va pas, on passe pas au Galaxy dans 2 minutes. Bah, on va passer un boutique, on se change, et puis c'est bon. Bobby, Bobby, on va se mettre place. Dis-moi, Arman. Tu as la batte sur toi? Si, viens. Tu fais attendre, Arman. Tiens, viens voir Antonio, viens. Je me décolle. Oui, fais attention. C'est mon premier véhicule. C'est ma voiture, oui. Attends, je coupe le radio. Hein. Ça c'est chiant. 45 000 euros. Ah, ça va. Comme premier investissement, c'est pas mal. Bah, c'est surtout. Oui, j'avance. Bah, attends, je vais le ranger si vous sortez le Mercedes. On va prendre la Mercedes. Allez, hop. C'est moi qui conduis, hein. Mais non, mais c'est bon, tu l'as sorti par la bosse, tu veux. Allez, rangez vos poubelles là. Bah, pourquoi tu parles mal? Ah, c'est pas mal de parler. Allez, sors le voiture, sors le voiture. C'est que moi je dis toujours la vérité, man. Hein. Sors le voiture. Il entend pas, il y a le radio. Bobby. Bah, pourquoi tu fais ça? Bobby. On te parle. Hein. Ah là là, t'es pas gentil avec. Non, mais c'est la voiture, elle me regarde de travers. Non, Bobby, dès que vous avez fini, venez au parking du camp, ok? Ok, tu viens pas avec nous? Non, c'est bon, Bobby. Tout vous, on se change? Si je viens, ça risque de. Les gardiens me sautent dessus. Écoute, alors moi je vais passer 10 minutes là-bas et après je te rejoins direct au parking. Attends, dégage. Faudra qu'on aille se rechanger. Ah mais je peux pas aller, j'ai arme sur moi, putain de merde, attends. Je te dépose devant la porte, attends. Non, va, tu mettras bagnole au parking, comme ça je le mets dans le coffre. Oui. Pour rentrer, ok. Le Galaxy, il est là-haut. J'ai mis le point pour toi, tu vas là-bas et comme ça y a pas de problème avec l'arme. Mais roule pas trop vite, Herman, parce que là j'ai... Ah oui, mais c'est loin du Galaxy, ça. J'ai gros calibre. Y a un garage en face du Galaxy, mon frère. Pourquoi tu veux que j'aille là-bas? Hein? Pourquoi tu veux que je vais là-bas? Il y a un garage en face de la boîte.
Ah, je crois pas un garage. Si, si, tu vas voir. C'est parking, c'est pas garage. Bah, c'est un garage, tu peux rentrer ton voiture. Ok, va voir, on va voir. Tu me donnes combien si j'ai raison? Allez, va, va, avance, avance, Armand. J'ai pas beaucoup de thunes sur moi, j'ai pas pris beaucoup. Alors? Voilà, tu ranges ton voiture après, tu mets dans le coffre et tu ranges ton voiture. On est au Galaxy ici? Oui, c'est là, en face le Galaxy. C'est pas ici le Galaxy. Je crois que tout confond. Je crois que tout. Ah, ça a changé de lieu, c'est vrai. Mais non, mais j'avais. Bouge tes couilles là, putain. J'avais oublié qu'ils avaient changé d'adresse. C'est pas possible celui-là. J'avais oublié qu'ils avaient changé d'adresse. Ah, elle fait un bruit cette bagnole. Oh là 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 là. J'entends le bruit du pot d'échappement. Oui, je l'entends, oui. Mortel. Ça fait le même bruit que papa quand il était aux toilettes. Hein. Oh là 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 là. Le parking où on va là, c'est en, le garage où on va, c'est en face du Galaxy. Doucement, doucement, roule comme doucement, sinon je vais. Mais je roule doucement. Non, je veux dire bien, roule bien, sinon je vais conduire moi-même. Fais n'importe quoi. Bah non. Ok, voilà. J'ai été obligé de faire comme ça, sinon je faisais tout le tour du pâté de maison. C'est pas grave, on est pas pressé, mal. Ok, là il y a le parking que j'ai mis sur le point. Je le vois, je le vois. Ok, rentre tranquillement, c'est parfait ça. Bah pourquoi le. Ah, c'est l'autre côté, attends. Qu'est-ce qu'il fait lui? Okay, mais c'est pas grave, rentre maintenant, t'as défoncé la barrière, qu'est-ce que tu me fais là? Mais je la vois. Oh là 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 là. Mais tu as pris l'opium toi, Frank, c'est pas possible. Bah non, pas du tout. On prendra mon voiture pour aller là-bas. Ok, je vais ranger, bagnole. Quand on sort de. Quand on a fini de boire un verre, on prendra mon voiture. Ah non, ben non. Attends, j'ai reçu un message, je vais regarder. Oui, vas-y. Ah, c'est le Reddit, putain, j'espère. C'est le chauffeur? Je sais pas, Herman, je vais regarder, peut-être. Bonjour, viens, on va. Pendant que tu regardes, on va voir. On va aller à la boîte, hein. Bene, bene. Oh putain, ça va être compliqué cette histoire, mais on va y arriver. Bon, il vient ou quoi là? Du coup, en partant, je sortirai mon voiture, tu sortiras la tienne, tu prendras qu'est-ce que tu as besoin dans la tienne, tu le rangeras, d'accord? Ok, Herman. Parce que il le connaît, tu vois ce que je veux dire? Il connaît ton voiture, le mien, je l'ai changé de couleur, donc. Ça veut dire que c'est pas la mienne, tu vois? J'ai reçu un message, je vois pas qui a fait le message. C'est pas grave, viens, on va boire un verre. Bah, pourquoi tu es pressé comme ça? Faut pas être pressé comme ça. Ah, je suis pressé par la chica chanter. Attends, je vois, il faut que je retire un petit peu pour t'offrir un verre. Attends, je vais appeler Bon. On va retirer un peu de sous, on va retirer 700 balles. Retirer 700, bam, hop. Oh là, Arman, si jamais tu mets la main sur qui je pense, hein? Tu m'appelles, je veux le voir. Si jamais tu mets la main sur qui je pense, tu m'appelles, Herman, je veux le voir. Hein. Ok, tu m'appelles. Ok, tu m'appelles comme ça, je viens. Fais je veux voir ça de mes yeux. Je veux voir ça de mes yeux. Bonsoir, monsieur. Le patron, il est si, pas là. Si, Herman. C'est fermé?
Non, c'est ouvert, mais le patron n'est pas là. Ah, okay. Ah, mais on vient pas voir le patron, on vient voir une chanteuse. D'accord. Quand c'est ouvert là. Ça vous dérange si on procède à une fouille? Bah, c'est normal. Ah, pas de problème, hermano, okay, on est là. Okay. J'ai pas. J'ai quoi? J'ai la tête d'un. De non, tueur à gage ou quoi? Bah, c'est par mesure de sécurité, mon frère, c'est normal. D'accord. Vous pouvez avoir votre carte d'identité, s'il vous plaît? Ah, j'ai ma carte. Oh, bah, c'est pire que la police. Bah, ouais, ça a toujours été, hein. Vous avez plus les registres? Vous tenez les registres, non? Oui, 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 il y a les fidélités, les blacklists. Ah, c'est vrai, bien. Oui, ben bah, oui. Je vois rien du tout, là, pour l'instant. C'est... Parce que je suis amoureux de la chanteuse. Ah, mais on est tous amoureux. Ah, ouais, là, ouais, là, on a comment on va faire beaucoup, ouais. Ah, ça va, non, je sais mais, pas. C'est pas parce qu'on est amoureux qu'on est forcément concurrent. Il va pas rester grand chose quand on aura terminé avec elle, alors si on est tous amoureux. Il faut que tout au calme. Excusez-moi. Attends, je vais faire comme tout vient de faire, okay, comme ça il s'est rassuré. Deux secondes, je te note sur le registre, je te mets le tampon. Ah, le tampon, c'est pas trop mon truc, hein. Bah ouais, mais t'as pas le choix, c'est comme ça si tu veux rentrer. Okay, hein. Merci. De rien. Tant que tu ne mets pas où je pense, ça va. Non. Je crois qu'il a des problèmes. Bonsoir, monsieur. Oui, procéder une petite palpation. Je vous en prie. Monsieur, vous avez une bouteille de whisky sur vous? Oui, ça fait un petit moment que je vous la traîne, celle-là. D'accord, est-ce que vous pouvez la boire ou la prendre? Bah, oui, bougez pas, je vais la boire. J'ai pas mon voiture tout de suite sur moi. Je l'ai rangé, vous voyez, donc j'ai pas je suis pas garé sur le côté. Ok. Super. Voilà. Je pourrais avoir votre carte d'identité, s'il vous plaît? Je suis désolé pour le whisky pur. Hein. Ouais, non, moi, j'ai pas. C'est pas grave, je vais avoir un peu de mal à trouver le papier, mais je crois que je vais y arriver. Hein. D'accord, on aurait dû faire ça dans l'autre sens. Oui, je pense aussi, oui. Je note pour la prochaine fois. Tenez. Merci. Mon plaisir. C'est bon? Ok, oui, c'est bon. Je vous mets le tampon, je vous renvoie. Mettez-le sur le front parce que je serai capable de remettre mes gants. Hein. D'accord. Je vous remercie c'est beaucoup. C'est bon pour moi. Bonne soirée. Bonne soirée au Galaxy. Merci beaucoup. Oula, oh là là. La porte, elle est où? Là. MDR, les gars, je suis déjà pété. Je suis déjà éclaté, les frères. Je suis même pas rentré en boîte, j'ai même pas payé un verre, je suis déjà défoncé. Aïe. Allez, marche, il descend bien, mais ah, ça y est, ça va mieux. Ah, j'aurais pu retirer ici, merde. Let's go. Il est déjà parti, le frangin. Il est où? Bon, on va danser un peu, les gars. Let's go. Ah, quoique, attendez. Faut que je m'écarte, j'ai pas le choix. Je vais me poser là, j'ai vraiment pas le choix par rapport à YouTube. Je pense que j'ai peur d'avoir des problèmes. Peur d'avoir des problèmes de droit d'auteur. Bam. Moi je vais faire une petite ellipse jusqu'à temps qu'il se passe un petit quelque chose ou qu'au moins on sorte de la boîte. Allez, à tout de suite tout le monde. Heureux tout le monde. Ah non, t'inquiète pas, on va sortir moi, de la boîte. Je vais téléphoner à des amis, ils vont venir aussi pour te voir avec moi, ok? Ok, vas-y, ça va. Vous avez beaucoup de talent, madame. Ah, merci franchement, beaucoup, tu merci. Vois, même lui il le dit, il a beaucoup aimé. Tu chantes franchement comme un ange. Ouais, mais toi, mon frère, tu as aucun talent. Tu mets des baffes et puis tu mets sur le dos des autres, hein. Ok, à plus tard alors, je reviens un peu plus tard, ok? Bon, on va sortir de la boîte. Putain, il fait chier à m'avoir blessé là. Herman, on y va. J'ai envie de te mettre un coup. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai discuté avec le monsieur, il m'a dit que c'est toi qui m'as frappé. C'est pas moi qui a fait ça. Ouais, bah ouais. Non, vous êtes pas blacklist, vous êtes déjà si. Pour le moment. Si. Tu fais plus ça. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur.
Tu vas sortir ton voiture, récupérer qu'est-ce que tu as besoin, je sors mon voiture et je t'attends dedans, d'accord? Ok, Herman, fais ça discrètement, tranquillement. Bien sûr, je mettrai mon coffre juste à côté du tien, comme ça ira vite. Tu vas m'amener. On va au parking du. On va téléphoner à ton petit copain là, on va le faire essayer son travail. Le pilote? Ah, le pilote, il m'a contacté. Il faudra que tu me donnes ton, son numéro, tu vois. Tu vas l'appeler maintenant. Bah oui. Je vais lui dire que dans 30 minutes, je vais le faire charbonner. On va d'abord passer voir si Antoine il traîne là où je pense. Il y a pas de chance. Tu vois que j'essaye de l'appeler pour essayer d'arranger quelque chose. Il y a pas de chance qu'il accepte, hein, mais bon. Ah, je sais pas, Herman. Je crois que c'est un mauvais plan que je l'appelle. Hein. Je crois que si je vais l'appeler, je vais mal le lui parler. Maintenant qu'il a compris, j'ai plus de raison de me cacher, tu vois. On va passer à ton appartement aussi au passage. J'ai besoin d'un petit peu de. Tu vois. Allo, tout le monde. Allo, allo, Johnny. Putain. Ah, je suis sorti de la. Excusez-moi, boîte. Mais il faut me rendre mon voiture maintenant. Non, je vous embête, c'est une blague. Avouez, c'était un bon blague. Viens, viens, on va se rejoindre. Va se rejoindre. Allez, sortez votre voiture. Viens, viens, garde-la sur toi pour le moment, ok? Mon frère, écarte-toi. Mon frère, écarte-toi un petit peu, s'il te plaît. Non, non, Armano, bouge, bouge, j'ai besoin de récupérer. Attendez, bougez pas, la. Je m'en fous, voilà. Rangez dans le coffre, si tu veux. Toi, aimes le bleu? Attends, je vais contacter ce monsieur là. Oui, vas-y. Bah, déjà, il faut que tu me donnes son numéro, non? Tu veux l'appeler directement? Dis, tu lui envoies la position dans 2-3 minutes. Bah, donne-moi son numéro. Donne-moi le numéro. Mon frère! Attends, je cherche, Herman. Ah cherche, oui, vas-y. Ok, alors c'est le 682-1328. 682-1328. Appelle-le, tu lui dis, on lui envoie la position dans combien de temps il est disponible. Je confirme, tu m'as dit 682-1328. Si, si, Herman. Et il s'appelle Fennec, c'est ça? C'est ça, Herman. Fennec pilote, ok. Tu lui dis, il vient avec Raptor, hein, ok? Oui, oui. Il faut qu'on passe à ton appartement aussi, j'ai besoin de médicaments. Ok. Allô? Bonsoir. Oui, pas de problème. Il me rappelle, il est occupé. Que tu aimes le son du moteur. Ben alors va au. Ouais, si, va. Je vais d'abord à l'appartement. Va chez moi. Tu m'as mis des patates et puis moi j'ai mal maintenant. J'aime pas du tout consommer ça, mais on n'a pas trop le temps d'aller à l'hôpital, tu vois. On va au parking après, c'est ça?
Ouais, mais Bob, John, il me dit, il y a personne là-bas. Mais il est quelque part en ville. Il est malin, je te l'avais dit, hermano, il est malin. Bah oui, je sais, je sais. Après, on peut toujours. Je suis sur mon appartement, le grand appartement, tu peux venir là. J'attends quelqu'un qui va venir pour. Je vais lui donner un peu de travail pour moi. Ouais, il va venir vers moi là-bas, je vais attendre. Normalement, il vient. Non, pas dans l'appart, il va venir dans le parking en dessous de l'appart. Ok, ok. Je pense qu'il voudra plus me voir. Hein. Pourquoi? Bah, avec ce qui s'est passé tout à l'heure et la bêtise. Boulettes, oui, je sais, il n'en revient pas dessus, je le sais, mais le truc c'est que j'essaye de réfléchir depuis tout à l'heure et savoir comment je peux, mort, tu vois. Tu as brûlé la seule chance que tu avais. Bah, oui, que moi j'avais, mais pas vous. Tu laisses, tu gardes un peu plus loin devant les deux bancs, tu peux garder ta voiture là, tu laisses là, la voiture, tu fermes. Voilà, comme ça, VIP. T'as la place VIP, Herman, tu vois. Ok, j'ai verrouillé. Viens, il faut monter, là. Oh là, tu es mal en point, toi. Non, tu crois? Ben. En plus, j'ai plus mon chapeau et mes lunettes. Tu crois que tu pourrais tourner? Il faudrait que tout change, mais tu crois que tu pourrais tourner en ville? Attends, on m'appelle. Ouais. Oui, allô? Ouais, c'est bon. Tout va bien? J'ai un gars à toi qui m'a appelé. Oui, oui, oui. Bah, moi c'est Asvald, hein, je suis le frère de Tony. Ouais. Tu veux que je t'envoie l'opposition? Non, c'est bon, ton gars me l'envoie. Ouais. Directement à toi, bah, en fait, je t'explique. Oui, bah, ça, il n'y a pas de problème. Après, mon frère, il faut que tu comprennes que c'est juste une mesure de sécurité. Bah, je lui dirai que la prochaine fois, je m'occuperai de la chose, d'accord? Ouais, je préfère parce que. Pas de problème. Je comprends. Non, mais je comprends. Tu n'es pas le premier. Je comprends complètement. Je dirai à mon frère que c'est avec moi que ça se passera, d'accord? Exactement, super. Il n'y a pas de problème. Une bonne soirée, bon courage. Oui, oui, pas de. Pas... Oui, bah, si tu veux. Oui, bah, écoute, il n'y a pas de problème. Super, tant mieux. Bon courage à toi. Merci bien. Allô? Voilà, hermano. Tu descends? Si, je descends, moi. Moi, je t'attends. Frank? Oui. Il est mon frère. Il est parti sur son moto. Il est parti où? Je sais pas, il m'a pas dit, j'étais au téléphone. Dis mon frère, il faut que je te dise. Bah, il faut que je te dise quelque chose, viens. Dis-moi. Je viens d'avoir le pilote. Ok. Il préfère traiter avec moi, tu vois. Il traitera pas avec toi parce que je lui ai dit que par mesure de sécurité. Non, mais moi, il va traiter avec moi là-bas dans le. Oui, non, mais je t'explique. T'explique. Il préfère que ce soit moi qui téléphone la prochaine fois, tu vois. Ça me va, pas de problème. Voilà, donc, John. Non, c'est pas qu'il a. Non, il a pas ou peur. Il a juste pas trop aimé la façon dont tout l'a accosté, tu vois. Frank, écoute. Ouais, voilà, tu défends trop les gens que tu connais. Vas-y, c'est bon, je m'en casse. Il a eu peur de. Non mais c'est bon, chaque fois que je dis quelque chose, j'ai zéro confiance, je me casse, à quoi ça sert que je parle? Attends deux minutes, pourquoi tu le prends comme ça? Mais pourquoi? Parce qu'à chaque fois, que je parle et que je dis quelque chose, je me fais envoyer sur les roses. Non, on t'explique des choses, voilà. J'ai fait une merde avec Antoine, je le sais, je l'assume, mais lui c'est un bon gars. Je te parle plus de ça. Je sais, mais putain, le pilote, je sais de quoi je parle. Il m'a dit au téléphone, Frank, tu parles beaucoup. Putain, tu m'écoutes? Je t'ai dit, le pilote, il m'a dit au téléphone qu'il avait pas trop aimé la façon dont John lui avait parlé. C'est pour ça qu'il préférait traiter avec moi. Putain. J'ai compris, donc il a peur de John. Mais c'est pas grave. C'est peut-être pas forcément qu'il a peur, c'est juste qu'il a pas aimé, tu vois.
Herman, justement, ce fait là, ça fait qu'il a de la méfiance. La méfiance, c'est l'engendre de la peur. Ben oui, mais la méfiance, ça peut engendrer la violence aussi, tu vois. Il doit avoir peur de nous, parce qu'il doit pas me la mettre dans le cou avec ce que je vais lui donner dans le coffre. Tu comprends? Je comprends. Alors toi, tu vas assurer les relations, c'est même toi, oui. S'il faut, tu lui donnes le salaire, j'ai pas de problème avec ça. Oui. Mais Johnny, là, pour la première fois, il va être à côté de moi avec la batte, comme ça il va comprendre qu'il doit pas. Non, pas la batte, pas la batte, sinon tu vas le faire fouiller, s'il te plaît. Non, mais même, non, mais je sais, mais ne lui demande pas de sortir la batte, parce que ça risque. En fait, je t'explique, tu risques de le faire fouiller, tu vois. Attends, je reviens avec toi. Je vais réunir mon voiture. Viens, on va se mettre. Salut Fouenac, tu vas bien? Bien et toi? Ça va, ça va. Comment ça va, Mourad? Bien toi? Ça va, tranquille. Alors, désolé, hier j'étais très 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 fort occupé, tu vois, j'ai pas pu prendre le temps de m'occuper de toi, ok? Y'a pas de soucis. Donc toi, tu étais opérationnel pour faire le transport, hein, comme on avait discuté. Exactement. Alors, tu vas voir. Si ils comprennent pas, les gens, je suis désolé, ils comprennent pas, il faut pas, j'ai fait de la merde avec un type, mais c'est pas pour autant qu'il faut être violent à chaque fois, en fait. Comment ça va marcher? Je vais te donner une position, ok? Ouais. Et je vais te montrer, je vais prendre la moto pour la première fois, je vais venir avec toi, je vais juste te montrer où se trouve, ok? Ok. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vider en fait le coffre, tu vas vendre, qu'est-ce qu'il y a à vendre à la personne qui m'attend là-bas sur le point que je vais te donner, ok? Très bien, comme je t'ai dit déjà la dernière fois quand on s'est vu, je vais pas savoir ce qu'il y a dans les colis, moi je vais si, voilà, mes colis, je récupère mon enveloppe. Tu vas voir, c'est des boîtes, toi tu les donnes à ce monsieur. Oui. Ce monsieur va te donner argent pour moi et comme ça tout il est clean, ok? Comme alors dis, le moi, problème, je suis professionnel, moi j'en sais mieux, je me porte. C'est ça. Le problème. Bah c'est la doctrine des transporteurs. Alors. C'est ça. Le problème, tu vois, c'est que ah oh, putain. Attends. Qui ça putain de merde? Bah bonsoir monsieur. Je crois qu'on s'est déjà croisé. Ah bon? Bah c'était pas vous qui étiez pour le mécanique, que vous m'avez dit le voiture elle coûte cher? Oui c'est moi. Ah c'était vous, oui. J'ai reconnu votre belle voiture. Bah oui, il y en a pas beaucoup en même temps. Bah oui, faudra me le rendre hein, d'ailleurs. Oui bah oui. Non je vous embête, c'est une blague. Bonne soirée monsieur. Bonne soirée. Putain de merde là. Qu'est-ce qu'il fout là, putain de merde? On vient d'arranger le véhicule, calme-toi. Oh là là, mais là ils sont permis, ils ont pas de surprise celui-là, c'est pas possible. Ah, il a une belle femme par tu contre. Veux pas, tu veux pas discuter chica, je l'avoue, la tu, chica, tu veux pas discuter là-haut plutôt, ça serait plus tranquille. Si, viens, va aller dans mon appartement, on va être tranquille. Aide. Dis-moi, Fennec, on pourrait parler d'affaires officielles un peu plus tard, tu crois? On pourrait. Pour l'instant, on va voir comment ça se passe. Oui, bien sûr, mais ce sera en dehors de ça, tu vois. Ouais, y a pas de problème. Viens, je te tiens la porte. On va aller s'asseoir sur la table. Je te souhaite la bienvenue chez mon frère. Merci bien. Dites-moi tous les deux, faudra que je vous parle un petit peu plus tard avant. C'est après. Maintenant, oui, non, mais après, justement, c'est pour okay, ça. Après. Tu vas me laisser parler là, parce que. Bien, là, ah non, mais ça, okay. tout te débrouille, c'est tes affaires. Ok. Alors, le truc, donc là-bas, tu vas voir, je vais te montrer où se trouve exactement le point où tu vas revendre que la marchandise que je vais te donner et récupérer l'argent pour moi, ok? La chose que tu vas faire, c'est qu'avant d'aller là-bas. Je mettrai fin à l'épisode juste après ça, les gars. De mettre, ok? Donc tu vas mettre la tenue militaire claire, ok?
vas t'habiller en blanc, je vais te montrer. Attends. La tenue change quoi en... pour la livraison? Tu vas comprendre. Ah, je vais te montrer, tu mets quelque chose qui ressemble à ce que je vais te montrer. Okay. En fait, vas-y. Je t'explique que la zone elle est contrôlée par des gens. Tu m'entends ou pas? Ok, ok. Alors, tu vois, je crois... Allez les gars. Bon écoutez tout le monde, c'est là-dessus que va s'arrêter l'épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne continuation et je vous retrouve dans le prochain épisode. Allez, ciao ciao tout le monde.